Il est l'un des danseurs professionnels les plus jeunes et les plus courtisés du continent. Connu pour ses mouvements de danse énergétiques et sa personnalité pétillante, Dance God Lloyd, danseur ghanéen, figure dans le dernier clip de Beyoncé, rien que ça. Attention, après le visionnage de ce reportage, vous risquez d'avoir la danse dans la peau et tout ça, c'est la faute à Yvette Toirigamaria. Regardez. Hey, je m'appelle Dance God Lloyd. Je suis danseur professionnel et je vis au Ghana. Bienvenue chez moi. Voici ma mère, Agnès Kounado, alias Mama Dance God. Dis bonjour. Et voici le grand homme, le boss, alias Papa Dance God. Dance God Lloyd était sélectionné par l'équipe de Beyoncé suite à une vidéo de danse qu'il a publiée en 2019 avec le hashtag Already. Cela lui a permis d'être l'un des rares danseurs africains à figurer dans la vidéo de Beyoncé intitulée Already. La chorégraphie bien exécutée a joué un rôle majeur dans l'album visuel de Beyoncé Black is King. Une réussite pour son équipe au Ghana, un succès bien célébré. Quand j'ai décidé de devenir danseur professionnel, mes parents étaient très déçus parce qu'ils voulaient que j'aille dans la meilleure école et la meilleure université du Ghana. J'ai continué à faire mon truc, alors je dus déménager, aller vivre chez les gens, même parfois dormir dans la rue, juste parce que je voulais réussir dans la danse. Je n'étais pas contente quand il m'a dit qu'il voulait devenir danseur. Je n'arrivais plus à dormir, mais j'ai dû respecter son choix. Maintenant, c'est une star. Les gens me parlent de ses réussites et ça me rend heureuse. Quand tu as décidé de faire carrière dans la danse, j'étais pas content. J'ai toujours souhaité que tu ailles à l'université, que tu deviennes une personne éminente, comme un président. Maintenant, c'est une star et je suis un père fier. Les foules m'applaudissent maintenant grâce à lui. En 2017, Dance God Lloyd et ses amis Afrobeast et Quabbles ont lancé un projet caritatif espérant aider ceux dans le besoin. Le DWP, Dance with a Purpose, vise à aider les jeunes à échapper à la vie dans la rue et de se trouver une raison d'être. Après avoir posté des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à m'envoyer des messages, surtout les jeunes danseurs. Ils me disaient « Oh, je veux apprendre à danser, je veux être comme toi ». Nous avons décidé, après avoir vu ces messages, que nous devions créer une plateforme pour ces jeunes. Et ce n'est pas comme si quelqu'un investissait en nous, non. C'est de nos propres poches. For my own pocket. What you mean? What you mean? What you mean?